こうして出会えて、これもきっと神のおぼし召しなんだ。一つ一つのプレイを大事にして勝利をつかむぞ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Dream Team. C'est la dinguerie, depuis 5h du matin, depuis que Club a balancé la bande-annonce, le trailer pour le Super Dream Fest. On ne l'a pas vu venir. Mikael et Raphaël, les deux Espagnols offensifs. C'est pas les premiers Espagnols du jeu parce qu'on a eu les Espagnols du... De l'équipe de Barcelone, hein, de la Catalogne, hein, comme Gonzalez, Fonseca, etc. Et là, ça y est, enfin, l'attente est terminée pour certains de mes amis vidéastes comme Atsushi. Gros dédicace à Youssef. Hein, voilà, il sait pourquoi je dis ça, parce que voilà, il l'attendait. Il l'a attendu tellement longtemps. Et enfin, ils sont là. Et surtout, lui qui est à gauche. Mikael, excellent joueur, très 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 fort dans Rising Sun avec l'Espagne. Avec, je crois, c'est Osasuna, son club en Espagne, un club basque, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils sont là, ils sont beaux, magnifiques. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, n'oubliez pas un truc, les amis, n'oubliez pas un truc. Ce n'est pas des personnages exclusifs. C'est-à-dire qu'ils vont revenir dans d'autres Dreamfest à chaque fois. Donc c'est pas comme Roberto, le nouveau Roberto, qui lui est exclusif et risque de partir, et, ou peut-être va revenir dans un récap, etc. Donc ils sont dans un 3 plus 1, comme d'habitude, comme tout un Super Dreamfest qui se respecte. On a fait plein de spéculations sur Internet, Old Shadow, Misaki, surtout Misaki est revenu plusieurs fois. Par exemple, Tsubasa V3, etc., etc. Et ben non, c'est deux personnages complètement inédits et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. De toute façon, on va le voir tout à l'heure. Hein. Oulala, 27 000. Les chiffres font très très peur, les amis. Les chiffres font très 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 peur. Du 27 000, on n'a jamais vu ça, les gars. Donc, on va voir ça un peu. Bon, voilà, Super Dream Fest. Bon, ça on l'a déjà vu, hein. T'es gentil. T'es complètement gentil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des TS à faire monter, des attaques, interceptions et interceptions pour Raphaël. Ouverture spéciale. Super Dream fait gagner un t-shirt signé par un des doubleurs du jeu. Ah, bah, c'est pas bien. Ah, c'est pas mal ça. Sympa. Sympa. Vraiment, vraiment sympa. Comment on peut faire pour gagner ce t-shirt? Alors, signé par Natsuki Anae et Hiro Shimino. Suivre le compte Tsubasa, nanana, retweeter. Ah, juste retweeter. D'accord, bon, faut juste retweeter. Et il y a deux t-shirts à gagner. C'est ça, hein, je crois que c'est ça. Hein. Si j'ai bien vu. Attendez, on va revoir. On a une semaine. Alors, c'est combien de... En fait, non, voilà, c'est bien ça. Il y a quatre t-shirts à gagner en tout. Ah bah enfin ils font quelque chose de nouveau dans Tsubasa Dream Team. Bon moi Tsuyama, j'ai pas fait la vidéo, mais bon je vous laisse regarder les vidéos de mes amis, mais là je pouvais pas passer à côté les gars. Voilà. Hop. Ouais j'ai fait un peu de PVP en off. Alors qu'est-ce qu'on a comme cadeau? 26 Dream Ball, très bien. Ticket Zap, ouais ok, cool. On va les prendre. Voilà, bah 100 Dream Ball, pile. Parfait. En attendant les trois, peut-être les 300 Dream Ball qui devraient arriver, je crois, vendredi. Là, on a 270 Dream Ball. Il manque encore 5000 abonnés Alors, attendez, on est quoi aujourd'hui? On est le mardi. Donc, il va rester mardi, mercredi, jeudi. Ouais, donc il va rester 3 jours. 3 jours pour qu'on ait encore 5000 abonnés. C'est possible, hein. Mais il faut absolument que les mecs mettent la gomme dans les abonnements. Je vais y arriver, désolé les amis, je cherche mes mots parce que là je suis un peu excité. Je vais pas vous mentir, mais Mikael, là il est magnifique. Hein. Je sais que, oh là là, en plus, oh là là, du Europe dedans, il y a du
Il y a du dans Rate Up, j'ai vu du Schneider, j'ai vu du Müller. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai vu du Tsubasa V2, magnifique. Le Diaz. Donc en fait, dans le Rate Up, j'ai juste le Tsubasa. Le reste, j'ai pas. Voilà, donc là c'est une DB. Donc là c'est pour faire le step, enfin entre guillemets le step. La rotation, voilà, plutôt la rotation. Donc là c'est le Raphaël avec Yuga, Victorino, Margus et notre ami. Comment il s'appelle le gardien déjà? Salinas. Voilà, je vais y arriver. J'en ai aucun. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Donc là, bon, ouais, là vraiment. J'ai fait la single à 1 dB cette nuit. J'ai eu le Brolin qui donne la grosse frappe, la Rising Bazooka. Voilà, franchement, je vais pas vous mentir, j'y ai cru à. Là, je serai, pour la prochaine vidéo, je ferai les tickets ici, les 10 tickets, les 10 multi offerts. Donc voilà. Bon, on va y aller, les gars. On va y aller. Alors, on va aller chercher Mickaël en premier, je pense. Hein. C'est lui qui nous intéresse. Il est rouge. Mickaël, milieu défensif. Ah, d'accord, il est milieu défensif. Donc, je pensais que. Parce qu'en fait, ça avait interpellé Twitter. Donc en fait, il est milieu défensif. D'accord. Je pensais qu'il était double poste. Rouge. Espagne. Donc Europe. Hein. Espagne Rising Sun. 1244 en endurance. 27 907. C'est la première fois qu'on dépassait les 27 000. On est généralement dans Captain Tsubasa Tribu. On est à 24 000, je crois, le maximum que j'ai vu. C'est 24 000 ou. Je crois pas qu'on ait dépassé les 25. Là, on a presque à du 28 000, 9488 en dribble. C'est l'un des plus forts en dribble, je crois, avec Ronaldinho. Il faudrait peut-être voir les comparaisons. 9890 en tir. C'est extrêmement fort. On est presque sur du Lévin ou sur du Roberto Carlos. Très très fort. 8520 en passe. C'est un monstre. Tacle 9059. 25 529 en défense, 7 938 en contre, même en contre il est pas mal, et en contre il est pas mal, 8 532 en interception, très fort, 21 046 en physique, 7 395 en rapidité, 6 007 en puissance et 6 933 en technicité. Non, non, très très fort, franchement, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement fort. Super cohésion, enfin non, cohésion, on va dire normal, non, j'ai plus 15%. On est un peu, par contre, un petit peu déçu du leader skill. Après c'est un Dream Fest, c'est pour ça qu'il n'a pas les nouveaux plus 1%. Et il prend plus 1%. Déjà, c'est un ouf. Alors en plus, en full power, normalement, je crois qu'en plus, c'est ouais, c'est un truc de ouf. Full power plus 1%, c'est dinguissime. Glissade angélique, le fameux dribble de notre ami Mickaël, hein, où il est sur le ballon, il tape derrière la balle comme je sais pas, comme une petite balle de, je sais pas, comment c'est, une balle de pétanque, un truc comme ça. Tir détendu 510, waouh, 510, c'est peut-être l'un des tirs les plus puissants du jeu maintenant. Centre immobile 455, c'est fou, c'est ouf. Par contre, ce que, attendez. Par contre, en TS, si j'ai ouais, il lui faut absolument un tacle et une interception pour qu'il soit parfait, quoi. C'est ça, en fait, qui va lui manquer. C'est vraiment un tacle. Peut-être qu'il y a un tacle à récupérer. Je pense qu'il y a un tacle à récupérer. Je pense qu'il y aura des cartes. Comment dire? Des TS à récupérer, etc. Donc, il faudrait voir dans le shop ou dans l'événement qu'on a vu dans les news. Et bien évidemment, il a un HA. Il a. Alors lui, s'il y a au moins 3 joueurs Rising Sun, 3% pour toute l'équipe. Voilà. Donc plus lui, plus 2 personnes. Voilà. Donc c'est un truc de ouf. C'est dingue. Donc Shield rend inactif un seulement de TS pour soi-même. Parfait. Augmentation de la distance de dribble 5 fois. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que si tu réussis ton dribble, ce qui va arriver. On va dire 2 fois sur 3, et ben tu vas augmenter. En fait, tu vas arriver très très vite dans la surface de réparation et tout. C'est un délire. Franchement, c'est un délire.
Et lorsqu'un attaquant reçoit une passe de Mickaël par. Oh là 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 là, putain. Oh, c'est-à-dire que si. Oh là là, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu fais l'imp... tu fais... Si quand Mickaël fera la passe à n'importe quel attaquant, cet attaquant-là prend 5% supplémentaire sur ses stats. C'est un délire. C'est complètement un délire. Hotline direct, c'est un délire. Et il va falloir des pièces. Alors attends. Il va falloir des pièces. Tsujimoto, bon voilà, très facile à avoir. Matsumoto, l'entraîneur, je crois, de la Hollande, je crois. Otto Legat, pas fa très facile à avoir. Et Okawa, Manabu, pas compliqué à avoir. Non, franchement, c'est un délire. Nickel, c'est un délire. Franchement, c'est un gros délire. On va voir Raphaël, qui lui aussi a franchement a l'air très impressionnant. Lui, il est bleu. Et apparemment, il a plusieurs postes, voilà, milieu offensif, milieu défensif. Enfin, c'est plus un attaquant. Ça, on dirait vraiment un attaquant, un peu style Victorino, etc. 1216 en endurance, voilà, Espagne Rising Sun, toi-même tu sais. 27 756 en attaque, 8 500 en dribble, 9 076 en tir, 9 009 en passe. C'est ouf, franchement, les stats sont complètement dingues. C'est complètement dingue. 21 786 en défense, 7000, 7002, 7003. C'est des bonnes stats de défense, assez bien réparties, je trouve. Donc, l'interception et le contre, bizarrement. Bon, après, moi je mettrais quand même un tac et une interception pour en contre. Je pense pas que j'ai beaucoup contre avec lui. 21 486 en physique, 6008 en rapidité et 6000. 980 en puissance et technicité 8490, c'est ouf, c'est ouf, Wallah, c'est ouf, je suis Wallah, c'est ouf, franchement, c'est n'importe quoi. Donne tout, toujours à 12%, ok, d'accord, nouvelle méta, donc le voilà, n'importe quel joueur, que ok, méta un peu inédite parce que là en fait, il donne 12% à tous les joueurs, voilà, leader skill, bon. C'est pas très fort en hein, 12%, on est déjà dans du 20%, hein, donc je pense pas qu'on va utiliser ton leader skill, mon cher Raphaël. La fierté de l'Espagne. Donc lui, il augmente la cage de pleine puissance, du full power, 15%. Oui, c'est sympa, mais ouais, ça peut faire la différence. Passe en pitch net, 450. Dribble en touché, feinté, 450. Et tacle sombrero, 455. Ouais, c'est des bonnes stats, c'est des bonnes stats. On aurait voulu un tir. On aurait voulu un tir parce qu'il a 9000 de tir, donc autant profiter. Dribble, ouais. Attends. Dribble, il est là. Hein. Ouais, ça dribble pas, il a. Donc, ouais. Et tac, très bien. Bah, il lui manque plus que lui trouver une interception et un tir. Voilà. Lien. Exactement comme Mickaël. 3%. Voilà. Donc, si t'as Mickaël et que tu as. Et Raphaël. Et qu'il te manque un dernier Rising Sun, et ben déjà t'as plus 6% pour toute l'équipe. Sans compter le leader skill, bien évidemment. Mais c'est un délire. Bon bah lui exactement comme Mickaël. Il a un shield. Ok. Endurance utilisée lors d'une TS moins 10%. Donc ça va lui coûter moins cher de faire des TS. D'ailleurs les TS ça coûte combien? 260. Ouais, franchement, elles sont pas très chères en plus. En plus 10% en moins, donc c'est un truc de ouf. Et maître de la bonne lecture plus 20%. Comme si que le joueur n'était pas aussi fort. Il lui arrange 20% s'il prend la bonne décision. Et il lui faut exactement les mêmes compétences pour le HA. Non, ils sont beaux gosses. Ils sont beaux gosses. Et si vous les voulez, ce sera maintenant avec le vrai maillot. Sinon, quand l'anniversaire sera terminé. Et ben le maillot, ça sera le maillot Rising Sun dégueulasse. Toi-même tu sais. Donc voilà les amis, c'est là-dessus, je pense qu'on va se terminer la vidéo. On va dire rapidement les différents scénarios ou boutiques pour voir ce qu'il y a autour de ce Super Dream Fest. Alors, voilà, les TS sont à gauche. Ah, il y a un nouveau. Ah, super, il y a même des Dream Ball. Ah oui, un peu comme Soga, ils ont fait. D'accord. Ok, d'accord, ok. Donc il y a moyen de récupérer, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est des ballons, je crois, je sais même plus. Et là on récupère voilà, les TS. Voilà, donc
Un tacle. En fait, voilà, c'est des. C'est quoi ça? Attends. Attends. 2 secondes là. Voilà, tacle. Ah, d'accord, ok. Donc, tu peux récupérer le truc. Ok, pas mal. Attends. Voilà. Interception force. Attends, mais je crois qu'il a déjà une interception, notre ami Raphaël. Lui, il lui manque juste un. Ah non, non, non. Ah non, 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 je suis bête. Non, non, il n'a pas interception, Raphaël. Donc, il va falloir absolument aller la chercher ici. Et il lui faut lui, Raphaël, il lui faut un tir et une interception, on a dit. Voilà, par exemple. Donc voilà, les amis. En plus, il y a des Dream Ball à récupérer, donc c'est bien, c'est sympa. Donc, des Dream Ball à récupérer. Donc là, il y en a déjà deux. Et je crois que là-bas, il doit y en avoir peut-être, ouais, pas beaucoup. Je crois que, ouais, il n'y en a pas beaucoup à récupérer. Ça fait plaisir. Et bien évidemment, vendredi, soit 270 Dream Ball ou soit 300. Voilà, donc c'est donc voilà. Donc moi je pourrais faire une rotation. Je pense que je vais faire une vidéo d'invocation pour Michael. C'est lui qu'on va aller chercher. Voilà, c'est lui qu'on va aller chercher, je crois. Enfin, je regarde mon équipe Europe, mais je crois que mon Europe elle est dominée par le rouge. Donc si j'ai Michael, c'est le feu. Voilà, si j'ai Michael, c'est le feu. Donc voilà les amis, c'est là-dessus qu'on se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est la hype, faites pas n'importe quoi. Faites pas n'importe quoi. N'oubliez pas qu'ils peuvent revenir. Enfin, qu'ils vont revenir. Voilà. À tous à vos Dream Ball. Et on se dit à très très bientôt. Bah, sûrement peut-être vendredi. Vendredi pour la vidéo invocation sur Mickaël. Ou peut-être même Raphaël. Je sais pas, on verra. Je vous kiffe. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao.